Salut tout le monde, François Lemay ici, en direct de New York City! Et oui, la capitale du vol d'attention. Aujourd'hui, on va parler ensemble de concentration, d'attention et de résultats. Dans une petite vite, en pleine conscience. Salut tout le monde, François Lemay ici. Ben oui, regardez, je suis dans la capitale du vol de l'attention, c'est-à-dire New York. Regardez les lumières derrière moi. Hein, qui capte notre attention constamment, qui capte notre regard, qui fait que quand ça bouge, on a envie de tout voir. Hein, l'écriture qui bouge, les images qui changent, la grosseur des buildings, les sons, c'est complètement fou qui gobe notre attention, mais la vie, elle fonctionne comme ça. Le marketing fonctionne comme ça, les réseaux sociaux fonctionnent comme ça. Toutes les publicités fonctionnent pour nous faire réagir. Si c'était seulement juste des images en noir et blanc qui ne circulaient pas, qui ne bougeraient pas comme d'habitude, notre attention serait plus portée à ça parce que on est trop stimulé maintenant. Donc, dans la vie de tous les jours, si on veut avoir du résultat, il faut arriver à fonctionner dans un monde comme ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre à respirer puis revenir connecter ici. Parce que si mon attention est constamment sur l'extérieur, sur ce qui vient me gober mon attention, les projets des autres, je vais même comparer avec les réseaux sociaux, la publicité, le site internet, les textos, les courriels, c'est la folie, gang. Si on ne prend pas la maîtrise de notre machine, le monde va nous contrôler et on ne pourra jamais se maîtriser. C'est la clé. Apprendre à respirer, apprendre à se calmer, ressaisir notre attention, développer notre concentration. Et si on amène du concentration par la force de la cause à effet, ça va amener des résultats. Soyez vigilants, soyez conscients. Ça ira pas en s'améliorant à l'extérieur, mais nous, on a à reprendre la maîtrise de notre machine et tout est possible, un pas à la fois. It's a process, gang! Alors, c'est François Lemay pour une petite vite en pleine conscience. Je vous aime, je vous adore et à très bientôt. Bye tout le monde!